Allez tout le monde, on se retrouve pour la 31ème partie de mon Let's Play sur Final Fantasy X HD Remastered sur la PS3. Et on a l'épisode 31, je crois que je l'ai déjà dit, c'est pas con, c'est pas grave. C'est ça qu'on est fatigué, c'est pas grave. Et on est parti pour... Bah, on va finir ce putain d'endroit là avec les Albed là. Et on est à... Il s'est attaqué là, merde. Oh, une boule de merde. Oh, mais y a un connard en plus, il y a un Guado avec. Donc on fait ça, hop, voler tout de suite. Comme ça, lui, je vais voler sa gueule. Oh, me poussons plus, ouais, putain. Ça, c'est pas cool. Toi, casse-toi. Et Lulu, elle va se manger les trucs de feu, là, la con, là. Par contre, je me gourre toujours, c'est dans ça. Donc, Amy, B, voilà. Seulement, ces connards, ils explosent à ma gueule, si je me rappelle. Parce que c'est des super bombasses, voilà. Bon, maintenant, ça a eu d'attaquer, bien sûr. Ah non. À voler, bah. Rico, vole lui. Je sais pas s'il gonfle par contre, non, je crois pas. Oh, que ça. Oh, que ça. Oh, que ça. Ça prend rien. Oh, ça prend rien. Allez, casse-toi, pauvre merde. Ah non, j'ai changé Lulu. Eh. Faut pas changer Lulu, garçon. Alors là. Merde de question. Par contre, il faut niquer ces connards. Alors là. En deux coups, ça passe. Bon, Rico, tu te casses. On va prendre Chedos. Ouais, j'ai quand même pas mal d'énergie. Ouais, ok. Normalement, ils explosent en trois coups, je crois. Quand ils font, ils s'explosent. Quand ils auront atteint un état critico. Un état critique. Boum, ça c'est bien ça. J'ai bien garçon. Ah ouais, c'est vrai, il y a une épée d'eau, ce con. C'est vrai. Bon, le brasier est normal, il va pas me faire grand chose. Hein. J'ai envie de vous dire. C'est par contre quand ils vont faire l'attaque kamikaze qui va être pénible. Courage, ouais, c'est bien courage. Oh, c'est cool. C'est cool parce que le stage de là il va être un peu plus facile que le désert. Parce que le désert est bien casse-couille parce que c'est les monstres qui sont assez costauds. Et certains monstres sont très costauds dans le désert. Pas par ça. En plus il donne pas mal d'XP, c'est bon ça. Ah oui, il se casse sans moi quoi. Moi je suis curieux, je vais. Ah bah c'est là d'où je viens donc je suis pas curieux en fait. Allez bah. En route papillon. Donc on va essayer de faire ce secteur tranquille hein. Je voulais vous dire pour cette 31ème partie de ce Let's Play magnifique. Et pourquoi elle dandine toujours son tarlard, elle, sérieux? 3000. 900, 900 000. Oh, en 2-3 coups. Oh non, Sarcominche. Sarcominche. Moi, je vais niquer le Guado à la con, là, parce qu'il va me faire chier, ce connard. Donc, je vais faire... Je vais niquer le Guado. Ouais, c'est... On va niquer ce connard avant. Nique-le avant. Voilà, on va niquer ce connard. Parce que c'est de la merde, c'est mon saut, c'est de la grosse merdasse. Toi, nique ta race. Bien sûr, Lulu, elle va pas se frapper. Hein. Elle est trop gentille pour faire ça. On va prendre Riku. Miss Riku, on vous appelle. Technique utilisée. Comme j'ai dit que j'en avais plein. Ils sont là, ils ont changé de place comme par hasard. On va profiter hein. On va faire frapper mes deux autres copains du coup. Parce que si ça rapporte pas mal d'XP, autant mieux en profiter. Voilà. Oh putain, il y a eu mal avec 50. Ah là, il y a eu mal par contre. Toi, mange. On va prendre Kimari. Faut le booster quand même, hein, même si c'est pas. Ouais.
comme je dis, si c'est pas la folie quoi. On va reprendre J'aurais dû prendre Tidus à la place de l'autre en fait. Moi je vais prendre Wako du coup. J'ai quand même des gars qui tapent pas mal fort. Mais bon, il y a quand même deux qui sont loin du compte quoi, j'ai envie de vous dire. Non mais pourquoi les autres ils peuvent aller automatique et moi je dois faire tout à pince quoi. Ouais, je me rappelle pas ce stage de con. Il y a une sauvegarde, je vais pas sauvegarder en fait. Je vais faire un truc malin. Je peux pas jouer au plus ball, ça aussi. Ça c'est un peu con. Ah, je peux plus partir, je me suis gouré. Putain, j'ai pas eu le temps de fouiller en fait. Quel boulet. Ah, ça c'est pas cool. J'aurais dû fouiller avant. Ouais. J'ai sûrement raté des trucs au passage, genre. Ça c'est ballot. Aqua souffle. Un peu d'arrosage, bien sûr, merci. Un coup de corne, c'est super. Lui, il va me casser les bien-nettes. Ah, c'est bien raté. Bon, comme j'ai dit, il faut toujours niquer le premier, c'est le Guado. Parce que lui, c'est un connard. Par contre, faut me laisser jouer un peu. Parce que voilà, c'est le but. Putain, puis faut pas me laisser jouer quoi, vas-y, tranquille. Pff. Moi c'est un truc qui m'énerve chaud par contre. Je vais prendre Riku tout de suite. Je sais que j'ai dit que je voulais niquer Guado avant, mais bon, voilà quoi. En soin, il y a Riku qui peut m'aider. Non, je vais pas faire son overdrive, c'est de la merde. Et niquer ce connard surtout. Lui m'énerve. Cette débile là. Voilà, casse-toi. Maintenant on peut faire le overdrive de mon copain. Oh putain, puis en plus c'est des monstres qui ont plusieurs éléments, j'aurais pas dû. On va faire au pif, le jaune. Yeah, raté, super. Oh, quoi que j'ai rien dit. Apprentidus, allez hop. Allez. Ça, ça fait mal ce pouvoir là, putain, il va prendre la vie en plus de con. Ah, quand même 8000, ok, j'avais pas vu ça comme ça. On va quoi? On va prendre Eron. Je sais pas si je vais prendre la vie par contre, c'est ça qui me fait chier. On va tenter. Yeah, c'est bon. Il y en a un qui est bientôt mort. 400, tu fous de ma gueule? Ah bah il se régale. Hein. Le jeu il se régale. Là. Je suis une pro ultra facile. Bon, il y en a un qui est mort. C'est un peu con que c'est Lulu qui va le terminer. Mais bon, pour 200 points de vie, ça me fait chier quoi. Ah bah heureusement qu'au départ j'ai pas tenté le tout le temps. Hein. Je vais prendre Riku. Et on va réutiliser ceci. J'ai technique là, technique, technicologue. Bon, on va faire se taper quand même Kimari pour dire qu'il prend de l'XP. Même si c'est de la merde.
Voilà, 500, ça remonte de 8000. Voilà quoi, c'est de la merde, merci. Quoi, de 8000? Ouais, c'est 8000. Heureusement qu'il rentre derrière. Voilà quoi, bien sûr. Heureusement que ma Lulu chérie, elle assure aussi. Parce que sinon, je serais dans la merde, quoi. Oh, tu peux te barrer, connard. Allez hop. On va dire, Tidus, c'est pas mieux. Je confirme. Voilà, ça c'est bon, ça. Je vais reprendre Riku, vous en faites pas, c'est tout à fait technique. Technique, tactique, tout ce que vous voulez. Faut savoir gérer les enfants. Ah merde, il m'a remis Tidus. C'est pas tapé, c'est le tafio, ça. Pas grave, on reprend ma Lulu. Je vais garder mes overdrive pour plus tard au cas où. Je sais jamais. Normalement, il reste plus grand chose. Il va me refoutre une mandale. Normalement, avec Eron, je termine maintenant. Voilà. 1500 en overkill, c'est parfait. Ouais, puis je me secourais, j'ai pas attendu, j'ai pas fouillé la base quoi. Bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un jeu que je vais platiner. Je peux repartir? Non, je peux pas. Je peux pas passer par là, ok. Pas non plus. You kidnapped them. I know it's against the teachings and all that. I get why you did it, but... Well, I sure don't get it, Waka. They might get hurt on their pilgrimage. So you kidnap them? I mean, if the summoners don't do their job, then who will beat Sin? You want to protect them, I know. But guardians are there for that. If guardians do their job well, summoners will be safe. Right? Right? It's quiet. Kimari goes now. On va retrouver ma chérie. Bon, vous avez rien compris, bah moi non plus, hein. Vous en faites pas. Essayez de remotiver les troupes, mais bon, c'est pas comme ça que ça va marcher. Hein. Mais il commence à prendre de l'assurance, donc il commence à prendre son rôle, j'ai envie de vous dire, au sérieux, c'est surtout ça. Ouais, des sphères niveau 4, ah, c'est parfait ça, ça c'est bon ça. Pour ouvrir mon truc, c'est parfait. She's not here. Hello again. Wait there until we have performed the sending. They died, protecting us. It's not much, but the least we can do is give them a proper sending. Hey, what's sacrificed? The Albed said summoners were being sacrificed. That summoners shouldn't have to do a pilgrimage. Why couldn't they trust guardians to protect the summoners?
The Albed had no right stopping their pilgrimage. The pilgrimages have to stop. If they don't, and they get to Zanarkand, they might defeat Sin. Yuni could... But then she... Yuni will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then... If she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuni too, you know? Was I the only one who didn't know? Tell me why! Why were you hiding it? Why didn't I know? We weren't hiding it. It was just too hard to say. To stop her, she follows her heart. Yuna, she knew what she was doing when she chose to become a summoner. To face Sin, yeah? Yuna knew. But Waka, that's just totally wrong. Summoners shouldn't have to sacrifice themselves just so the rest of Spirit can be happy, right? Live in fear of Sin, you know that. A world without Sin. That is the dream of all Yevon's children. And we will use that power, even if it means our lives. Hey, watch. Hey, you got pretty good. You sound sad. Yeah, maybe. Want to scream? I really don't think that's gonna help this time. You know what? Hmm? It's embarrassing to say this myself, but summoners and their guardians are kind of like Spira's ray of light. A lot of people in Spira depend on us. I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know.
I know it's hard. Yeah. I understand. I think. Right. Now let's see what you can do. I want my journey to be full of laughter. I can't let her die. I'll find her. Allez, voilà. Donc là, on commence à choper beaucoup d'intrigues d'un coup, là. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, bah voilà, les invoqueurs se sacrifient pour invoquer l'ultime invocation. Qu'on verra peut-être ou pas, j'ai pas envie de spoil, parce que je connais la fin, bien sûr. C'est le jeu que j'ai fait quand j'étais plus jeune sur PS2, bien sûr, donc voilà, pas de spoil. Pas poil. Mais voilà, ça avance bien, on a bien posé l'intrigue maintenant. Maintenant, faut retrouver ma copine, hein, parce que... Elle est mon avion, surtout. Qui doit être là, je pense que c'est mon avion ça, donc j'ai peut-être loupé des choses pendant cet épisode. Encore 3 minutes. I said where is she? Answer me damn you! What do you do when you find her, eh? I didn't know anything about what a summoner is supposed to do. And I told her all those things without even knowing. I've got to tell her. I've got to tell her I'm sorry. That's it? You're gonna tell her you're sorry? And then you just drag her to Zanarkand and make her fight Sheen, huh? You're all the same. Let the summoner die so we can live in peace! No! Ah, words! Show me action! I'm telling you, she won't die! Boy, don't forget those words. 'Cause if you do... I'm gonna make you regret it. I won't. So you know where she is? Of course not! That's why we're gonna look! Using this airship! Airship? Vidran! Neito do Ku! Marie! Evil Maker 1,000 years, Ujantia!
the treat. Frida, Joe. We, Joe. E-A-U-E. No, bo, me, no. Rain, me, re. Yo, ju, yo, go. Ha, sa, te, ka, na, e. What's going on? We're gonna blow up our home. How? With one of the forbidden machina. They go! Ida! Frida could eat with machina. Ecto lipa piemta. Wika! Hey, look. Don't get so down. Boom! Like happy festival fireworks, yeah? You can cram your happy festival, you big meanie. Bon voilà, bah maintenant, bah, que voulez-vous? Given taboo on machina, we're running around in the dark here. Ain't it a rush, kiddos? Non, on va pas s'exciter, t'inquiète pas. T'inquiète, ma Lulu chérie. Ça va, Yuni? Ouais, et alors? Donc on a récupéré l'avion, donc on est toujours à la recherche de ma copine Yuna, voilà, on fait un peu le point sur ce qu'on a entendu, ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas encore fait. On a appris que Yuna doit sacrifier, bien sûr, sans s'en douter un peu vu que son père est mort, hein, pendant qu'elle a combattu Sin avec le père Tidus, bien sûr. Donc là on a notre petit Starship maintenant qui pourra me permettre d'aller un peu n'importe où sur la map. Ce qui est un très bon point. Non, je me suis trompé de bouton, pardon. Ce qui est un très bon point, c'est que je pourrais retourner à des endroits un peu fouillassés, un peu par-ci, par-là. Donc là, on a toujours nos copains, les avocats, maintenant, qui sont avec nous, mais qui servent à strictement rien, vu qu'ils ne rejoignent pas l'équipe. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc on peut leur causailler, hein, mais bon, voilà. Donc on peut parler à tout le monde comme je viens de dire. Donc on peut vraiment faire le tour. Il y aura des marchands, il y aura un peu de tout normalement dans cet avion. Donc on va dire que ce sera ma base complète quoi. Là il y aura vraiment de tout, hein. Donc il y a un peu de tout, il y a des gens, il y a beaucoup de chargements aussi. Malheureusement, j'aurais dû sauvegarder avant et arrêter, mais bon. Voilà, je voulais faire un petit tour du propriétaire tout de suite, comme ça on va être tranquille. Mais bon, voilà, donc encore une sauvegarde, donc je sauvegarderai là au pire.
Donc là pareil, normalement je crois qu'il doit y avoir une phase de boss ici avec un boss plus tard. Je sais pas si ça doit être pas dans pas très longtemps je pense. Donc voilà, donc on peut parler aux gens et là on peut aller dehors. Donc ça va, c'est sympa. Je vais retourner à l'accueil surtout parce que ouais, on va retourner à l'accueil. Quoi au début quoi. De l'appareil, sur le prochain épisode je vais reprendre juste devant, on sera tranquille. Bon, le marchand n'est pas encore là mais il va bientôt arriver. Comme je dis, je pourrais retourner un peu par-ci par-là, essayer de récupérer les objets que j'ai zappé dans les temples, quoi, dans certains temples, où on a des objets à récupérer, donc je pense que c'est par là qu'il m'arrive. Voilà, après il y a là aussi. Ouais, il y a plusieurs portes. Hein. Bon, faut se repérer un peu avec la minimap, parce que c'est un peu... Of course! If she continues this fool pilgrimage, she will die. Sure as if you killed her yourself. No harebrained law or teaching could send my little niece to her death. When I save her, I'll make her give up being a summoner quicker than a desert melts ice. Even against her will? Better than a dog's death. And I'll take down anyone who don't agree! You are the captain. Good! Then it's settled. Ouais, t'as raison, garçon. Bah, d'abord, on va sauvegarder. Donc j'espère que cette 31e partie de ce Let's Play vous aura plu. Je vous dis tous les potos, et à la prochaine! Salut!